Et la loi, de toute façon, dit qu'ils ont besoin d'une banque dans sa province. Si nous gagnons l'idée, on a à peu près 7000 chauffeurs taxi. D'après la loi, ils ont besoin de payer 200 roupies quand ils rentrent. Mais vous prenez 7000, vous ne faites pas 200, là, vous faites 1,4 millions. Par mois, vous ont besoin de payer 300 roupies. Vous prenez 7000, vous ne pas 300, vous faites 2,1. La même, et ça coule, vous mettez ça par 12. Dans un an, vous prenez à peu près 25 millions de roupies dans sa province. Et vous pouvez dire, vous même pas à moi, et que le président, vous avez une belle responsabilité, vous avez à ça l'entend bien. Et seulement, vous avez aussi un officier gouvernement là-dedans. Vous avez un représentant de NLTA, un ministre des Finances, mon ministère, ensemble, avec mon camarade board member, mon chauffeur taxi, le président, vous avez à ça pour la bien. Dans des ans, vous avez 50 millions, vous pouvez aller même comme ça. Alors, vous pouvez seulement faire un bon scheme. Et un bon scheme, là, vous entendez, président, vous pouvez dire, vous avez un loan, pour une grande pour les enfants, pour une nous faisons éviter que l'assurance baisse, nous pouvons négocier avec l'assurance. Ça a bonné à 7000 personnes derrière là. Il est capable de dicter que l'assurance baisse ici, baisse ici, comme ça. Nous faisons que la formule, le mécanisme, pour que l'assurance, que le taxi paye moins l'assurance, et aussi pour les autres projets aussi. Donc il y a un grand pas en avant, il y a une grande avancée, et vous souhaitez ça au référendum là, beaucoup de succès. Vous n'avez aucun doute, nous sommes un jeune président. Vous me dites, tel est là, ce papa, il me tient sur un taxi, du coup, nous souffrons sur un taxi. Sur un taxi, il contribuait beaucoup dans l'époque misère. Pour soigner du monde à l'hôpital, à soi, pour amener du monde dans un moment difficile, quand le bus n'est plus roulé, et nous connaît. Le gouvernement aussi, seulement, il fait beaucoup, il donne beaucoup de bénéfices avant de faire un taxi. Et ça fond là, vous me dites, tel est là, c'est la couronne. Ça une couronne tout pour assurer qu'il va se faire taxer bien, gagner une meilleure vie dans un moment difficile de Covid. Merci beaucoup. Donc, M. Pavlis, au président, donc, un appel à tout le monde se faire taxer qui est du chaos, venu dans sa forme. Oui, merci. Merci, Premier ministre. Merci, ministre Ganou. Qui fait faire ça fond là, mais une réalité, comme on dit, elle est là, c'est un rêve, c'est un rêve de tout le monde se faire taxi. Tout le temps, vous connaissez, le monde se faire taxi, fin de laisser à votre compte. À ce temps-là, si le monde se faire taxi, puis gagne, comment dire, une famille de welfare fund pour occuper le monde se faire taxi, et que votre famille aussi. Alors, comment la loi prévoit, c'est pas une association, c'est un welfare fund. Tout le monde se faire taxi, il y a une obligation pour se joindre. Pour rejoindre le fun. Avec tout le monde, il y en a beaucoup d'associations taxi dans Maurice. Nous faisons faire de sorte que tout le monde d'associations well represented, bien représenté dans le board et nous faisons l'appel à tout le monde de faire taxi. Combien d'associations taxi? À mon connaissance, il y en a environ 6 ou 7 associations de différents taxis. Mais nous ne sommes pas capables de mettre tous les 6 dans le board, nous en avons 4. Représentants de différentes associations qui l'ont nous. Merci.